C'est une de Pantera. Pour Sylvain Prévost. Tu m'as demandé ça avant-hier. Là, on est samedi après-midi, je suis en train de te faire une sauce spaghetti. De vrai, je suis en train d'en faire une. Une méga pour ça avec comme 8 livres de viande. Fait que c'est de la viande, c'est de la viande. Cemetery Gates, que trippé la petite Pantera, je les ai vus 7 fois en show. Donner la main aux chanteurs sur le stage, comme tout le monde capotait, Musique Plus qui filmait, puis toutes les gardes qui me sautaient dessus. En tout cas, c'était capoté. J'ai eu 2 pics de bass du bassiste. Malheureusement, pas de Dimebag Darrell, mais je l'ai vu comme souvent proche de moi, il est touché même. En tout cas. J'ai jamais joué de Pantera vraiment, je pense, je sais pas si je l'ai déjà joué, je pense pas. J'en ai écouté des années de temps, j'en écoute plus malheureusement. Comme décroché. Mais c'est quand même bon des fois d'en réécouter, là, ça nous ramène dans notre jeune temps, tu sais. Ça nous ramène dans notre jeu de temps, c'est ça. Jeu de temps. Dans ce temps-là, ben, on en joue. Pantera Cemetery Gate. On YouTube. Mes chums pis mes friends drummers. Thank you.
fiable pour vos écouteurs anti-bruit, peut-être. That's it.